Donc, M. Sablon, vous êtes présentement arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies causant la mort. Vous avez le droit de garder le silence. Nous devons vous informer que nous sommes des policiers. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais vous devez comprendre clairement que si vous désirez parler, tout ce que vous direz pourra être pris par écrit et servir de preuve. Avez-vous bien compris? Oui? Vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de l'avocat de votre choix. Sans égard à votre situation financière, vous avez également le droit d'avoir recours immédiatement au conseil préliminaire et gratuit d'un avocat du service de garde du barreau du Québec au numéro sans frais 1-866-666-0011 ou à l'aide juridique, toujours un numéro sans frais 1-800-842-2213. Avez-vous bien compris? Désirez-vous consulter un avocat ou un avocat de garde? Pas pour l'instant. On va vous redonner les numéros au poste. Dernière chose à vous lire, c'est le prélèvement d'échantillons d'haleine par l'Alcotest. Ça, l'Alcotest, c'est au poste de police. OK? Donc, je suis l'agent de Gilbert, je suis agent de la paix. J'ai des motifs raisonnables de croire que vous êtes en train de commettre ou que vous avez commis au cours des 3 heures précédentes l'infraction de conduite d'un véhicule à moteur ou d'en avoir le garde ou le contrôle lorsque votre capacité de conduire ce véhicule est affaiblie par l'effet de l'alcool ou lorsque vous avez consommé une quantité d'alcool telle que votre alcoolémie dépasse la limite prescrite par la loi. Par conséquent, je vous ordonne de me fournir dans les meilleurs délais les échantillons d'haleine qui, de l'avis d'un technicien qualifié, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer votre alcoolémie et de me suivre au besoin pour que puissent être prélevés ces échantillons. Un refus ou une omission d'obtempérer à cet ordre vous expose à des poursuites criminelles, à la révocation de votre permis de conduire, à sa suspension immédiate ainsi qu'à la saisie immédiate de votre véhicule. Avez-vous bien compris? Parfait. Donc, vous allez nous suivre au poste. On va embarquer dans le véhicule ici, juste à nous suivre. Oui, votre stabilisation du véhicule.